Marc a donc épousé Isa. Merci pour tout. Hein. Hélène tente de faire bonne figure, mais intérieurement, elle est brisée. Christian essaie d'oublier son amour impossible pour Isa dans les bras d'Audrey. Cependant, Marc, passionné d'alpinisme, a emmené Isa à la montagne pour leur voyage de noces. Il est bouleversé quand Isa lui annonce qu'elle attend un enfant de lui. Tu vas être papa. Hélène est touchée au cœur en apprenant la nouvelle et Isa, qui croyait avoir épousé Marc par intérêt, découvre qu'elle l'aime sincèrement. Hélène confie sa détresse au fidèle Jean-Philippe qui essaie de la réconforter. Elle lui avoue aussi la haine qu'elle porte à celle qu'elle considère comme son ennemi. Mais un accident dramatique survient. Au cours d'une escalade, Marc fait une chute vertigineuse sous les yeux d'Isa. Il est hospitalisé. Les médecins réservent leur diagnostic. Marc est entre la vie et la mort. L'oncle Marcel jubile à la pensée que l'homme qui a reconnu l'enfant qu'il a fait à Isa va peut-être mourir. Un peu de déjeuner, Philippe. Du âge. Merci. Mon chéri. Rien, ça va. Christian. Hmm? Tu vas pas? Non, merci. Écoute, Hélène ne voit pas tout en noir. Marc a une santé de fer et il va sûrement s'en sortir. Je ne crois pas au miracle. On fait plus de la varap à son âge. Il adorait ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais. Il m'avait emmené à la montagne pour notre voyage de noces. Aussi. Arrête, tu te fais mal. Je suis sûre qu'il va mourir. Oh. Je le sens. Et ça sera de la faute de cette... Ça suffit, ça va. Mais oui, Christian. Si Isa n'avait pas ensorcelé ton père, rien ne serait arrivé. Rien, tu entends? L'appétit avec toutes tes histoires. Où tu vas, là? Je vais voir mon père. Et tiens, je vais en profiter pour voir Isa. Christian! Christian! Tu vois, je prends la défense de cette fille. Elle est cool. Elle l'a envoûté, lui aussi. Oh, elle est très forte. Arrête de te faire du mal. À toi aussi, hein. Tu prends pas une brûlure. Arrête. Tu sais, faut que tu saches quand même, faut que tu comprennes que sans Marc, moi, je suis plus rien, je n'existe plus. Mais je suis là, moi. Mais non, je... Et qu'est-ce que tu fais? Je cherche un numéro de téléphone de Patricia. C'est pas la peine de l'inquiéter. Mais non, mais quand même qu'une fille sache que son père est en danger de mort, non? Calme-toi. Alors, tu as des nouvelles?
On continue les examens. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas où? Je vais prévenir Tanguy. Ça va être un choc pour lui. Il aimait tellement Marc. Pourquoi tu parles de mon père, l'imparfait? Parce que j'ai peur. Tu sais, de le voir allongé comme ça, sans pouvoir faire un geste. Lui qui était si plein de vie. Il peut même plus parler. Il me regarde. Je sais très bien ce qu'il veut me faire comprendre. Je lui réponds que je l'aime. J'ai peur, Christian. Peur de le perdre. Attends, Isa. Dépêche-toi, mon chéri, tu vas être en retard à l'école. Mais je te dis que ça va aller, mamie. Mais laisse-toi faire. Maman! Alors? Comment il va, papa Marc? Oui, j'ai préféré l'avertir, tu sais. T'as bien fait. Il va mieux. Il est guéri? Non, il lui faudra du temps. Beaucoup de temps. Fais un temps cartable, mon petit lapin. Pour aller le voir à l'hôpital? Oui, plus tard. Mais tu vas pas encore rater l'école. Non, 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 non. Allez. Allez, viens, je t'emmène. Super! Maintenant que nous sommes tout seuls, dis-moi la vérité. On saura ce soir. On saura quoi? On saura si... C'est quoi? Si papa vivra. Oh, non, non. Tu sais, Christian, moi, j'aime vraiment la vie, mais parfois, je la déteste quand elle abandonne des gens si formidables que ton père. Je sais. Marc a été un rayon de soleil dans la vie d'Isa. Avec lui, c'était toujours l'été. Maintenant, j'ai bien peur que ce soit toujours l'hiver. L'hiver pour elle, mais aussi pour Tanguy. Mais non. Il y aura toujours sa maman. Oui, bien sûr. Et puis, il y aura vous, surtout. Oui. Hmm? Bon, allez, il faut que j'y aille. Faut que j'aille voir mon oncle, lui aussi attend des nouvelles. Oh, lui, votre oncle, il aura toujours Julia Bertil pour le consoler. Julia? Elle est en clinique aux États-Unis. Mais non. Elle est au fort avec lui. Qui vous a dit ça? Arnaud. Depuis le temps qu'on se connaît. Il sait très bien qu'il peut me faire confiance, vous avez. Bonjour, Geneviève. Bonjour, madame. Au revoir. Le rachis cervical a été brisé. Et la moelle épinière sévèrement touchée. Aussi, les membres inférieurs et le bas de l'abdomen sont paralysés. Il s'y ajoute en plus une atteinte des membres supérieurs. Vous êtes formel. Oui. Et cérébralement? Il pourra récupérer intégralement, mais il devra vivre sous assistance permanente. Autrement dit, papa est un légume. Veuillez m'excuser. Monsieur le professeur, si j'ai bien compris, mon mari devra... Marc devra toujours rester à l'hôpital. Oui, madame, malheureusement. Bonjour, Delphine. Ah, madame Charrière, justement, monsieur Jean-Philippe termine un rendez-vous. Il m'a chargé de vous dire... Mais je viens de l'avoir au téléphone. Tenez, voilà, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Monsieur Vernier, puis-je avoir un entretien, s'il vous plaît? Certainement, chère madame. J'en finis avec monsieur. C'est urgent, très urgent, excusez-moi. Excusez-moi, à bientôt. Si t'arrives... L'entrepreneur, le tapissier, oui. L'horticulteur, et je ne te parle pas des autres, refusent de continuer à travailler à la réserve s'ils ne sont pas payés immédiatement. Calme-toi. Scandaleux, tout simplement scandaleux. Calme-toi. Et tu devines pourquoi? Pourquoi? Parce que Marc étant indisponible, il ne peut plus signer un chèque. J'avais dit de te donner la signature. Viens là, mon bureau. Mais Marc n'a jamais rien pu déléguer, c'est dans son caractère. Mais maintenant, tout est bloqué. Et je ne vais pas pouvoir ouvrir. Et puis, les fournisseurs aussi vont avoir la même réaction. Qu'est-ce que je vais faire? C'est tout simple. Il faut réunir une assemblée générale extraordinaire de la réserve SA et nommer un président directeur général intérimaire. Hein?
Comment va Marc aujourd'hui? Toujours pareil, un mort vivant. Mais le plus impressionnant, c'est son regard. Isa est admirable, elle assume tout. Elle le lave, le rase, le change. Moi, je pourrais pas. Ça serait au-dessus de mes forces. C'est bizarre, hein? C'est la première fois depuis qu'elle existe que la réserve va ouvrir son papa. Oui. Ces coups de gueule vont nous manquer. Tu vois, c'est con, mais... Je crois que lui et moi, on n'a jamais réussi à se comprendre. C'est pas faute d'avoir essayé, d'ailleurs. Mais ça a toujours fini par un coup de gueule. Des fois, j'ai eu envie de le tuer. Rassure-toi, lui aussi. Tu vois, j'arrive pas à m'y faire, mais... Rien qu'à penser qu'on pourra plus se bagarrer ensemble. C'est con de s'arrêter comme ça. Tu repars quand? Je sais pas. Maman m'a demandé de rester à la réserve. Alors... Quelque part, je crois que... Elle a peur de pas s'en sortir toute seule. Qu'est-ce que tu décides? Mais je t'ai pas tout dit. Parce que j'ai aussi été manucure à Nice. Oh, la galère. La directrice voulait qu'on porte rien sous nos blouses. Soi-disant pour plaire aux clients. Moi, je leur plaisais bien aux clients. Parce que je savais faire les ongles. Ça, c'était un événement dans ce salon. Tu sais ce qui m'a plu la première fois où je t'ai vue? Tes mains. C'est important, les mains d'un homme. Et les tiennes sont très belles. Autrement dit, si je t'ai aimé, c'est à cause de tes grosses pattes. T'as de la visite. Bonjour. Je suis Patricia, la fille de Marc, je sais. C'est Isa. Je vous ai tout de suite reconnue, mon père m'avait envoyé une photo de vous. Je peux? Bien sûr. Papa. Papa, c'est moi, Patricia. Tu m'entends? Tu m'entends? Je viens de faire la connaissance d'Isa, elle me plaît bien, tu sais. Tu me demandes pourquoi je suis venue? Bah écoute, où est-ce que tu veux que je passe mes vacances sinon avec toi? D'accord, il y a Isa, mais quand même, j'espère que tu m'as gardé une petite place dans ton cœur, hein? Ah, papa. Ozane, c'était les autres. J'en ai vu des vertes et des pas mûres là-bas, mais c'était les autres. Ces vieillards qu'il faut bercer comme des enfants pour les aider à mourir. Et
ces enfants qui savent tout comme des vieillards, qui savent tout d'avance. On peut pas leur mentir à eux, on peut pas. Mais papa... Papa, je le croyais immortel. Il était si fort. Il m'étend la vie. Surtout depuis qu'il te connaissait. Il m'écrivait en cachette. Et il me téléphonait en cachette pour me parler de toi. Tu comprends? Il s'est jamais trompé sur personne, papa. Alors il pouvait pas se tromper sur toi. J'aime mon père. Jamais un homme pour moi n'a été à sa hauteur. Si seulement il avait pu mourir sur le coup, proprement, comme il a vécu. Patricia, on commande pas la vie à la mort. Excuse-moi. Excuse-moi, ça doit être le décalage horaire. Tout à l'heure, en lui faisant les ongles, je me suis rendu compte qu'il pouvait bouger un peu son index. Un tout petit peu. Mais j'ai pensé qu'on pourrait l'aider à communiquer. Communiquer, mais comment? Avec un clavier. Un ordinateur. Un ordinateur. Allez. On va essayer. Audrey! Quoi? Tu vas où comme ça? Je rentre. J'étais venue pour aider mon père, mais il n'a pas besoin de moi. Il a besoin que de Julia. Alors je rentre à Los Angeles. J'ai été très heureuse de te revoir. Moi aussi. Un séjour? Ben oui. On sait jamais. Audrey. Oui. Je voulais dire... Oui. Non, rien. Bon voyage. C'est tout. Bon voyage. Bien. Pour résumer, la réserve doit continuer à vivre, malgré les événements. Vous êtes tous ici actionnaires de la société. Vous allez donc pouvoir élire un PDG intérimaire qui aura donc la signature. Alors, qui se porte candidat? À mon humble avis, ça devrait être Christian. Ben, Marc l'a toujours considéré comme son dauphin. Un dauphin rebelle, mais... Hein? Si papa avait été en mesure de me le proposer aujourd'hui, j'aurais peut-être accepté, mais comme c'est pas le cas, je ne me reconnais pas le droit de décider à sa place. Aujourd'hui, en tout cas. Patricia? Moi? Moi, s'il s'agissait de m'occuper d'un hôpital perdu dans le désert, je le ferais, mais pour la réserve. Et vous, cher Arnaud? Oh, moi... J'ai toujours rêvé de diriger un théâtre lyrique, mais un restaurant, non? J'en ferai un conservateur de chant. Hein. Bon, et bon, on va pas tourner autour du pot. C'est maman qu'on doit élire comme président de la réserve. C'est elle qui s'est crevée toute sa vie avec papa pour faire de la réserve ce qu'elle est aujourd'hui. Un palace connu dans le monde entier. Alors si aujourd'hui l'un d'eux est indisponible, c'est l'autre qui doit prendre sa place. Qu'est-ce que t'en penses, Patricia? Je suis d'accord. Arnaud? Bien sûr. Je suis démocrate.
Bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Madame Charrière a été élue PDG intérimaire de la réserve SA. Bien, monsieur Vernier. Tu es contente? Notre réserve à toi et à Marc peut continuer à vivre. Oui. Bien, la séance est levée. Tu ouvres quand? Dans 8 jours. L'hôtel est complet pour 2 mois. Hein. Allez, Maryse, le champagne. Allez. Ah, ma chérie. Ah. Vous pouvez relever mon mari un petit peu? Voilà, c'est le mieux que je puisse faire. Ça ira, merci beaucoup. Les ordinateurs, je connais. Je travaille dans un supermarché. Allez, toi aussi tu les connais, c'est toi qui t'en occupais à la réserve. Au travail. Moi aussi, je t'aime. Mourir. T'as trouvé que ça. T'es pas bien avec moi? Tu veux me quitter? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui, toi. Dis-lui qu'il y a quelqu'un de encore. Faut que j'aille voir ce boucher. Il croit que votre père étant absent, et il peut me voler sur la qualité et la quantité de la viande. Alors là, pas du tout. Hein. Bon, Christian, tu t'occupes bien de la baronne. Quelle baronne? La baronne de la mouche. La baronne de la mouche. Elle ne boit que du thé en déjeunant. Tu plaisantes, hein? Non, mais dans la théière, il y a du whisky. Et elle ne veut pas que le personnel autour le sache. Elle a toujours été amoureuse de ton père. Alors, tâche d'être à la hauteur, hein? La baronne de la mouche. Bon, bah, je vais attaquer la mouche, alors. Il est pas content. Pas content du tout, du tout. Allez, je me saute. Et dis-moi, toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me remplacer comme ça, là? Tu vas dégager tes cheveux. Non, s'il te plaît, maman, j'aime pas. Non, neutre. Il faut être neutre devant la clientèle. Hein? Autrement, les hommes te regardent, les femmes font la gueule, les femmes quittent l'hôtel, et les hommes aussi. Dis donc, quel milieu? Tu vois? Quand je pense à la misère aux Indes, je me dis que la réserve, c'est une insulte au tiers-monde. Oui. À qui ton père fait un chèque assez conséquent tous les ans, hein? Ouais, la bonne conscience. Non, les vases communicants. Allez, bourrique. Allez. Alors, la baronne, contente? J'ai le contrôle, t'inquiète. Dis-moi. Ouais. Tu m'accompagnes ce soir voir papa? J'ai pas le courage d'y aller toute seule. J'allais te le proposer. Tout de suite, petite sœur. Comment tu l'as trouvé? Toujours le même. Moi, je ne vois pas d'amélioration. Il est comme il était hier. Comme... Je te parle d'Isa. Elle ne veut pas le reconnaître, mais elle n'en peut plus. Le jour, elle le surveille. La nuit, elle le veille. Elle va craquer, ça, c'est sûr, tu sais. C'est Isa, je la connais pas bien, mais je suis sûr qu'elle tiendra jusqu'au bout. Au bout de quoi? De son calvaire? Oui. Tricote. Oui, un gilet pour Marc. On a froid, tu sais, quand on est toujours couché. T'as pas changé, toi. Je suis bien la seule. Rancunière. Non. Non, non. N'empêche que je monte à Paris et je reviens. Tu n'es jamais revenue. Écoute, c'est quand même par les journaux que j'ai appris qu'elle a mis le grappin sur toi, hein. Les journaux.
qu'est-ce que j'ai pu en vendre grâce à ton idylle avec Julia. Faut que je te remercie. C'est quand même grâce à ça que j'ai pu acheter la boutique. Mon frère a été adorable, il a payé les premières traites. Mais tu sais, il n'y a jamais rien eu entre Julia et moi. Hein. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Jamais rien eu? Bah, explique-moi alors pourquoi? Pourquoi tu m'as abandonné? Parce que j'étais trop jeune. Dis plutôt que nous n'étions pas du même monde. Toi, t'étais un fils charrière et moi, qu'est-ce que j'étais, hein? Rien. Rien du tout. Mais toi, t'as réussi ta vie. Tu as eu Isa. C'est vrai. C'est vrai, j'ai eu Isa. Il fallait bien que je me console, tu sais. Allez, viens, je t'emmène déjeuner. Non, je suis désolée, je fais un régime. Et Tanguy, il fait un régime, lui? Non, mais il déjeune à la cantine de l'école. Ben, on va aller le chercher. Allez, viens. Prends ta laine, là. On ne voit plus Hélène à l'hôpital. Ben, elle est débordée, tu sais, elle a remplacé Marc à la réserve. Enfin, il n'est pas encore non, mort. Non, mais je connais ma soeur. Tu sais, elle est réaliste, un peu brutale parfois, mais elle fait trop. Quel courage. Salut. Tu connais Geneviève? Évidemment. Bonjour, madame Hélène. Bonjour, Geneviève. Et Tanguy? Tu dis bonjour. Bonjour, Tanguy. Voilà, on vient déjeuner à la réserve. Oh, je suis désolée, mais c'est complet. Hein. Oh, on trouvera bien une petite table. Hein? Allez, passez devant, je vous suis. C'est sûr? Oui, c'est sûr, allez-y. À tout de suite. Pourquoi tu me fais ça? Écoute. Marc a reconnu Tanguy, il est son enfant, au même titre que Christian et Patricia. C'est normal qu'ils connaissent la réserve, non? Tu aurais pu me prévenir. Oui, mais t'aurais refusé. Alors j'ai choisi de te mettre devant le fait accompli. Tu préfères m'imposer cet enfant? Écoute, Hélène. Enfin, sois pas comme ça, c'est un moment. À tout à l'heure. Je vais les rejoindre. Je suis pas là pour t'aider à mourir. Au contraire, je suis là pour t'aider à vivre. Bon, c'est vrai, ton état est stationnaire pour le moment. Mais il va s'améliorer. J'en suis sûre. Je le veux tellement fort. Et puis, qu'est-ce que je vais devenir, moi, sans toi? Hein? Et l'enfant que j'ai dans le ventre, il a le droit de connaître son père. Tu sais quoi? Hier soir, je l'ai senti bouger pour la première fois. Marc, je suis tellement heureuse pour nous deux. Pour le bébé. Allez, chasse tes idées noires, pense à autre chose. Pense à notre avenir, à l'avenir de ton enfant. Il faut que tu vives, Marc. Je suis là. Moi. Ouais, tu as des talons trop hauts. La clé de la réussite dans l'hôtellerie, ce sont les chaussures. Il faut qu'elles soient jolies, bien sûr, mais surtout confortables. Je crois que tu as raison. Et toi, à quoi tu penses? Oui, et toi, dis-nous. Bah, moi, je pensais au petit Tanguy. Ah, Tanguy. Maman Tanguy, c'est un frère génial. Ah, c'est votre demi-frère. Oh. Oui, bon, bah, c'est du pareil au même. Non, pas que je sache. Mais quoi? Comment tu veux qu'on le présente aux gens? On va quand même pas dire Tanguy, notre demi-frère. Mais c'est la stricte vérité. Mais bon, en attendant, on porte le même nom de famille. Et alors, la belle affaire, hein? Ça, c'est bien toi, maman.
réactionnaire, rétrograde et démodé. Réac, elle a raison. Je tiens simplement à certains principes. Ouais, bon, bah, principe ou pas, maintenant Tanguy est un Leroy. Il a les mêmes droits que Patricia et moi. Félicitations à ta marre, là, non? Ce sont des clients qui fêtent un anniversaire. Tu vas pas leur demander de mettre une sourdine, non? Je lui dis, elle va pas dormir. Elle dormira mieux demain, elle a rien d'autre à faire. Écoute, on va pas fermer l'hôtel simplement pour satisfaire ses caprices, non? Et tes clients? Non, non, pas des caprices? Oui, bah, ils paient. Écoute, si Julia ne supporte pas le bruit, elle a assez de propriétés dans le monde pour s'y réfugier, non? C'est vrai qu'elle est égocentrique, ta diva. Pas de sa faute, c'est une malade mentale. Faut pas lui en vouloir. La belle excuse. Alors, c'est comme si on demandait à Marc de ne pas être paralysé. Bon, allez, ça suffit tous les deux, hein. Il y en a ras-le-bol. Les médecins ont assuré qu'il ne souffrait pas. Mais il est conscient, alors c'est encore pire. Ils disent que ça peut durer des années. Vous savez, aux Indes, j'ai souvent aidé des malades à s'endormir définitivement. Juste par respect pour eux. Parfois, je me demande si on ne devrait pas faire ce cadeau à Marc. Moi aussi, je me demande. Rien qu'à l'idée que je pourrais tuer mon père. C'est vrai, quoi, c'était les autres. Les étrangers. Rien pour moi. Là, c'est papa. C'est papa. Je trouve cette conversation indécente. Jamais, Marc. Jamais, tu m'entends? Je veux pas te perdre. Je veux pas. Bonjour. C'est quoi cette piqûre? C'est un calmant. Un calmant. Vous trouvez pas qu'il est déjà assez abattu comme ça? C'est un ordre du professeur Hotman. Eh ben moi, je vous ordonne de pas faire cette injection. Madame, je le dois. Fichez la paix à mon mari. Vous m'entendez? Fichez-lui la paix. Madame Leroy, vous êtes fatiguée. Dehors! Dehors. Très bien. Maintenant, soyez clair. Combien de temps va durer le calvaire de mon mari? Pourquoi cette question? Répondez-moi. Longtemps, peut-être. Il a une solide constitution. Est-ce qu'il a une chance de retrouver une autonomie? Aucune. Il a eu des complications pulmonaires et on l'a mis sous oxygène. Alors il faudrait mieux qu'il soit mort. Nul n'a le droit de penser une chose pareille. C'est lui qui veut mourir. Il arrête pas de me le demander, il me supplie. Moi, j'ai pas le courage de passer à l'acte. Ce serait un crime. Un crime? Parce que c'est pas criminel de laisser vivre quelqu'un qui sait qu'il est foutu? De le farcir de piqûres nuit et jour pour pas qu'il pense? D'en faire un zombie? Et c'est mon devoir. Madame Leroy, c'est mon devoir. Professeur, je vous en supplie. Il faut respecter la volonté de Marc. Il en peut plus de savoir qu'il est devenu un légume. Par respect pour lui, pour ce qu'il a été, je vous demande... L'euthanasie, ma déontologie me l'interdit. La vie est sacrée. Votre déontologie. Et c'est vous qui me dites que la vie est sacrée. Mais vous la respectez pas, la vie. Vous la prolongez alors que vous savez très bien qu'il n'y a plus aucun espoir. Il faut toujours croire en la Providence. Professeur, mon mari n'a jamais cru en Dieu, et moi non plus. Alors je vous plains. Moi aussi, je vous plains. Thank you.
Madame, faut pas toucher ça, c'est dangereux. Je peux faire le ménage? Pas tout de suite. Vous promettez de ne plus toucher ça? Promis? Ça va? Quoi? Ça? Reposez-vous, Isa. Vous en avez besoin. Ne craignez rien, je suis là. Hélène Charrière. Oh, c'est toi, ma belle. Minou. Oh, je suis contente de te voir. Depuis le temps. Hein. Voilà, Minou, je t'ai tout dit. Oui. Moi, j'ai pas le courage, tu sais. Alors, tu as pensé à moi, ta vieille nounou? C'est... Marc n'a plus envie de vivre. Oh, mon pauvre petit amour. Si je pouvais mourir à sa place, je pourrais, mais... Ne dis pas ça, je t'en supplie. Non, j'ai pas le courage de l'aider à mourir. Pleure pas. Oh, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi. Je vais t'aider. Je vais t'aider, mon tout petit. Pleure pas, je t'en supplie. Pleure pas. Oh. Que je t'aime. Bonjour. Bonjour. J'avais acheté des fleurs pour Marc et des parfums. Isa, fais oui. Attention à toi. T'as vraiment mauvaise mine. Comment tu l'as trouvé? Mieux. Enfin, si on peut dire, plus souriant. N'arrête pas de lui faire des câlins. Je suis sûre que c'est mauvais pour lui. Pour toi aussi, Isa. Regarde, t'en peux plus. C'est pas important. J'arrive plus. Je supporte plus de le voir comme ça, dans cet état. J'en arrive même à me demander si on devrait pas... Moi aussi, j'y pense. Trouver le courage, mais j'en ai pas le droit. C'est vrai, faire mourir papa, ça serait une manière de le libérer, mais aussi de
l'éliminer. Pourquoi l'éliminer? Pour nous rendre libres. Tous. Puis toi aussi. Ce serait un crime. Et ça... Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Non. Pas bien. Je sous-signais Marc-Édouard Armand Leroy. Institue comme légataire universel mon épouse Isa, qui a été le seul amour de ma vie. Comme j'ai reconnu son fils Tanguy, il a donc les mêmes droits que mes enfants Christian et Patricia, à qui je demande de le considérer comme leur frère. Ce testament annule et remplace toutes les dispositions que j'ai prises auparavant. Aimez tous la vie comme je l'ai aimée. Sont déjà fanées. Vous les ferez remplacer, vous en avez les moyens maintenant. C'est la dernière fois que je viens sur la tombe de Marc. Quelle ingratitude. Vous allez m'écouter et vous m'entendrez jusqu'au bout. Marc vous a légué sa fortune, plus une énorme assurance vie que vous lui avez estorquée. Bravo, vous êtes très forte. De plus, vous avez réussi à faire reconnaître votre fils, ce qui laisse mes deux enfants. Alors là, félicitations. En très peu de temps, vous avez fait un joli parcours. Taisez-vous. Mon pauvre Marc, cette fille t'a berné. Je te le jure, je te vengerai.
See you.